Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Et cette fois-ci, on va essayer d'essayer les jeux de Rastaken. Parce que l'éveil des ombres, on ne peut pas pour l'instant. On verra pour les prochaines vidéos. Alors, c'est parti, on va découvrir le jeu. Comme ça, vous allez participer. Ok. Ok, si je perds, ça sera fini. Les sanctuaires sont en jeu dès le début de la partie. Ils sont très puissants et se désactivent au lieu d'être détruits. Ah ouais. Choisissez un sanctuaire, la source de votre puissance. Il est en jeu dès le début. Vos sorts coûtent 2 cristaux en moins. Ben ça, comme ça, il a 10 vies. Waouh. 8 autres trolls se dressent entre eux. Gloire. Contre Malakras. Mes flammes, elles vont te brûler. Je me couche devant personne. Ok, alors, invoque 4 cartes. Vous piochez une carte, elle coûte moins. Si vous jouez 2 sorts pendant ce en plus de quoi ouais vas-y ah non on remplace ça oh là je découvre hein. Elle sera peut-être longue la vidéo mais je découvre cette partie là le sanctuaire grand d'une puissance protéger le ok on a 0 inflige un point de dégâts tous les serviteurs plutôt pas mal en plus 3 c'est déjà ok wouah je l'ai presque tué si vous jouez ce soir. Ah, c'était quoi? J'ai des points de dégâts. Ben voilà. On va presque terminer déjà. Ok, ça va être rapide. Au bout d'un moment, le sanctuaire s'active à nouveau. Vous trouvez prévoyant et vous perdrez. D'accord, et par regarde. Hop. C'est gagné. À chaque victoire dans l'arène, vous gagnez de nouveaux partisans à votre cause. Choisissez vos. Alors, je sais pas, on va prendre le totem. Ah, ça ajoute les cartes là. Ok. Plus vos adversaires deviennent forts. Vous allez nous offrir un beau spectacle. Ok. Plus on avance, plus les ennemis seront plus compliqués. Oh yes, on commence, même départ. Ouais, c'est plutôt pas mal la main de départ, on va la garder. La puissance est dans le sanctuaire, protégez-le. Ah, ok, il faut le protéger. Ah, il a 20 dégâts, j'ai 25. Ah, il a 5 d'attaque. Confère à vos serviteurs Ragnar avec un totem de base aléatoire. 1 plus 3 à 6 dégâts. C'est cool ça. Ah d'accord. Ah, je sais pas ce que ça fait, mais ça l'a fait. Ok. Ah ben je découvre. J'espère que vous allez bien aussi.
je vous l'ai pas dit. Ok, j'ai une mauvaise carte. Pourquoi il a ça, lui? Il est tonnerre. En 3 tours, il jouera. Ok. 5 d'attaque. Il a pas gagné 5 d'attaque. Invoque. Ok, vas-y, invoque. C'est quoi ça, le totem? Ça invoque un totem, on va voir. Dégâts. Ah, on a un provocateur. Deux provocateurs. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal du tout. On devrait s'en sortir. Par contre, faut que je l'attaque, lui, sinon on va jamais s'en sortir. Surcharge, quoi ça? On va attaquer. Et voilà. Troisième tour, allez bien mon petit. Six d'attaque. C'est quoi ça? Un vol 3. Crapaud de 4 avec vocation. Plutôt pas mal. Okay. Il a 6. J'ai 3. J'ai 3. Vers toi là. Lâche. Bon, pas trop le choix. Quoi, ça l'a pas tué? Tranquille, lui. Il se croit où? Ah oui, mais ça fait des dégâts aussi, ok. Moi, j'ai plus de totem, ça va piquer demain. Ah ouais, attends, c'était quoi? Ah, c'était des dégâts. Ok. Bah voilà, j'ai gagné. Pourquoi j'ai pas gagné? Mais je vais gagner, oui. Voilà. Je l'avais dit que je gagnais. Waouh. Dans l'arène, personne ne combat seul. Choisissez l'allié qui combattra à vos côtés. Ah, faut trouver un autre allié maintenant. Une fois que vous avez les cristaux en sol. On va prendre celui-ci. L'autre il était bien aussi. On va prendre. Allez là, tu vois au milieu cette fois-ci. Ok. Comme je vous ai dit, ça peut durer longtemps la partie. Et qui peut se terminer rapidement. C'est pour ça que la vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Mais on va tout garder. Ça, c'est des zéros, c'est plutôt pas mal. Ça évitera de gaspiller des manas. Plutôt pas mal. Inflige 2 points de dégâts. Je les ai pas. Ah, on l'a toujours, lui. Plutôt pas mal. Une fois que vous avez des. Ah, c'est les mêmes. Oh là là. Eh ben, je peux rien faire.
Toc. C'est quoi ça? Ah, c'est ça les totems, ça ajoute des trucs en plus. On a 30 de vie, ça va être chaud quand même. Alors qu'ils ont que 1-1, ça pourrait le faire. Ils vont s'acharner sur lui parce qu'il a plus de vie, c'est bête. En plus 2 d'attaque. Voilà, transformer un serviteur allié en serviteur qui coûte. J'ai pas compris, mais c'est pas grave. Alors, 3 d'attaque, 2 d'attaque. Oh, avec leurs petits dégâts, on va pas faire grand chose, je pense. On va aller attaquer là-bas, hop. Ah, ça y est, ça m'attaque. On fait serviteur, ramener avec un totem de l'ordinateur. On va gérer avec ça. Waouh! On sera obligé d'attaquer ça. C'est plutôt pas mal cette carte. 2 d'attaque. On va tuer par rien. Six d'attaque. Le moment où il va m'attaquer avec ça, Richard va l'affaiblir. Un peu short. Que j'ai rien pour l'affaiblir. Alors avec ce que j'ai, 2, 4, est-ce que si je fais ça, il meurt, et au moins je le tue. On va faire ça. Ok. Quoi? Il n'y a pas tout compris là. On va tuer au moins un, et le reste, ça va aller là-bas. Un petit truc, ok, mais ça l'est à mien. De toute façon, j'ai 3 boucliers, je suis assez tranquille si vous avez joué ce que ça commence pour. Ok, tout pourri. 3 d'attaque, il pourra pas me faire grand chose. Oh, j'ai peur. Toc. Toc. Alors déjà, si je parle pas beaucoup, c'est que je suis essayé de me concentrer. C'est assez compliqué vu que je découvre ce mode-là. Voilà, je t'appelle. Quoi. C'est qui Gabriel? C'est lui là pas en face. 2, c'est quoi? Invoque, un 4, c'est quoi ça? Je veux savoir ce que c'est. Mais pourquoi ça met des têtes de mort? C'est ce que je comprends pas. La 3 d'attaque, 3 d'attaque. Il va nous tuer ceux-là. Oh, il aura lui à tuer. Allez, c'est bon. Alors, tant que j'ai des boucliers. De toute façon, j'ai gagné. Et ben voilà. Si vous avez fait ce mode-là, vous me direz combien vous aurez vaincu l'équipe. Pour l'instant, moi, je suis à 3. On va choisir celui-là.
Ça s'ajoute dans nos cartes, dans notre deck. Jouer. On 40 vies, ça va être plus long là. Ça va être chaud. Alors, ouais, je veux bien tout garder, ça me va. Ça fait une suite, 0, 1, 2. Non, plus ça, moi, je... Il part pas lire. 1, 1, 1, volt, 10. Hop, vas-y. Quoi? Bah je sais pas. Je sais pas, ça fait ça. Si vous savez pourquoi ça me fait ça, bah dites-le moi dans les commentaires. Parce que j'y comprends pas. Déjà il m'attaque. Et il n'avait que 30 au moins. Oh la minute du siècle. Oh l'exemple, il va dire d'attaque, il va pas me faire mal. Quoi? Ah d'accord, faut tuer lui en fait. Ah mais ça va piquer en fait. Tant qu'on tue pas lui, on peut pas attaquer lui. Ah ouais, d'accord. Hein, ça fait mal. Essaye de le tuer. Attends. Charge. Est-ce qu'il peut... Oh non. Attends. Voilà. Ouf. Pendant 3 tours, on va pour l'attaquer. Ah d'accord. Ce qui est bête, c'est que ça bloque les manas. On va mettre un totem. En plus, ça met un bouclier, c'est parfait. Alors là, il a 3 vies, une vie. Alors, on ne peut pas lui faire mal. Ça vaut 0. 2 dégâts. On va lui enlever un peu son bouclier. 3. Voilà. Quoi? Je peux pas attaquer. C'est quoi cette arnaque? Et lui là, 1 sur 10. Quoi? Je comprends rien. Alors là, je ne comprends plus rien du tout. Oui, ils sont pas chantés sur moi, ils sont gentils. Alors attends, l'autre il s'est réveillé. Il s'est réveillé, il faut que je lui fasse mal.
2, 3, 4, 5. Ah, tu sais quoi? Deux bananes dans votre main? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi les bananes? Donne plus 1 à un serviteur. Plus 1, plus 1. Toi. Toi. Je vais pas donner un allié quand même, je vais pas donner un plus 1, plus 1 quand même. Bon. Je vais réussir. Ah, je suis morte. Ah ben voilà. Et ben, ça sera la fin de la vidéo, hein. Ça sera pas si long que ça au final. On a quand même plutôt bonne aventure, une petite vidéo tranquille au final. Je pensais que je serais mort plus tôt ou peut-être plus tard. Le combat n'était pas équitable. Et ouais. Je confirme, c'était pas équitable du tout. Voilà. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. Prochaine vidéo, on verra si je pourrai faire l'éveil des ombres. Sinon, on fera cela, le projet Dark Mage. Et après, on verra le bois maudit. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine!